Coucou tout le monde! Donc aujourd'hui je vais vous présenter mes soldes d'hiver de cette année. Donc je vais commencer tout d'abord parce que en fait j'étais à la recherche de pulls, de nouveaux pulls, parce que j'en ai marre d'avoir des vieux pulls. Donc je suis allée pas en premier parce que je suis allée à Koukaï et il y avait beaucoup de réductions, surtout moins 50, moins 40, ça valait le coup. Donc voilà, donc j'ai pris ce pull. Ouf, j'ai pris ce pull. Voilà, bleu avec des paillettes. Donc il était à 69 € et je l'ai eu à moins 40%. Voilà. Donc voilà, j'ai pris que ça à Koukaï parce que ça coûte assez cher, c'est pas dans mes prix, mais quand il y a les soldes, voilà. C'est la première fois que j'achète à Koukaï et celui-là j'ai craqué dessus. Ensuite je suis allée toujours un pull. Voilà. Je suis allée à Morgan. J'ai trouvé, bon, j'ai essayé pas mal de pulls. C'est un pull col roulé. Il est gris avec des filaments dorés. Voilà. Vous le trouvez sympa. Il est à moins 30%. Moins 30%, oui, je l'ai eu à 35 €. Il était l'origine, il était à 50 €. Ouais, 50 € le pull. Voilà. Ensuite, je suis allée à Camailleux. Toujours des pulls pour faire dans les vêtements. Donc j'ai pris ce pull col roulé aussi. Voilà. Oh, il a des filaments argenté, voilà, c'est un peu les mêmes styles, c'est toujours avec des paillettes ou des fils. Il était à moins 50%, donc ah oui, c'est moins 50%, il était à 29,95 €, je l'ai payé 14,97 €, voilà. Ensuite à Camailleux, toujours pareil. J'avais besoin de. Oh, mais il était soldé aussi. J'avais besoin de. Comment ça s'appelle? De. Pas un tricot de peau, mais voilà, un col roulé pour mettre sous les jupes, sous les tuniques et tout ça, blanc. Mais ouais, je m'aperçois qu'en fait, oui, il était à 9,95 €, je l'ai eu à 7,96 €. Voilà pour Camailleux. Et je suis allée à un autre Camailleux. Un autre Camailleux. Et j'ai craqué pour ce pull qui est un peu angora. Oui, il est un peu angora. Donc il était à moins 30%. Il est rose poudré. J'adore. Voilà. Je l'ai payé 29,95 € et je l'ai eu à 20,96 €. Voilà pour mes pulls, pour mes vêtements. Bon, je suis allée faire un tour, comme pas mal de monde a dû faire, à Sephora. Donc j'ai pas trouver grand chose parce que c'est toujours pareil en fait. Je suis allée le matin sur le site à 8 h à Sephora. En 10 secondes je voulais les palettes revendiquées pour mettre mes fards à paupières, ils étaient déjà épuisés, donc voilà, un peu dégoûtée. Donc j'ai dit bah Sephora, si je le trouve je les prendrai. Chose que j'ai fait, oui, j'ai trouvé les deux palettes du revendiqué qui
sont rechargeables pour mettre les phares. Voilà. Donc, c'est moins 50%. Voilà. Celle-là. Vous le connaissez avec un phare. J'ai regardé, je l'ai ouvert pour voir s'il y a le phare parce qu'il y a les boîtes qui étaient un peu explosées. Donc voilà, je pourrais mettre mes phares Moondust. Et l'autre palette. Voilà, celle-là, je l'aime bien. Violette et des fleurs, et voilà. Donc, voilà. Ça, c'est le seul Sephora. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? Que j'ai pris? Et oui, et le crayon, ça c'est le premier Sephora que j'ai fait, j'avais pris que ça. Le Make Up For Ever, le noir, voilà, tout basique. Moins 30%, l'état 18, je l'ai eu à 13,30€. Voilà. Voilà, c'est tout pour les soldes de Sephora. Ensuite, comme j'avais dans les soldes, j'avais de l'argent pour Noël, j'avais plaisir, j'avais une carte cadeau. Donc je me suis pris le Travel, les crayons d'Urban Decay, le Rockstar, le Zéro, les Démolitions, en petit. Un fard à paupières Moondust, le Intergalactique, voilà, qui est dans ma collection. Et un crayon Urban Decay pour les yeux, le LSD. Je vais essayer de le sortir. Voilà le LSD. Trop beau. Et comme j'avais une carte cadeau plus d'argent et j'avais moins 20%, je me suis pris, fait plaisir, le blush NARS. J'arrive à sortir, qui est, que tout le monde connaît, le Orgasm. Voilà. Il est très beau. Comme j'ai des rougeurs, je voulais un blush et je sais que le blush qui fait doré, qui fait voilà, ça me va très bien. Voilà. Et j'avais moins 10% aussi. J'ai eu échantillon, miracle, air de temps de Sephora. Voilà, et un échantillon de parfum, le Honey de Marc Jacob. Voilà. Voilà pour Sephora. J'ai pas pris trop de choses sur le dos. Bon, j'ai pris que les palettes et le crayon. Bon, je vous parle de ce qui est soldé déjà. Oui. Donc, je suis allée dans une. Parce que je suis pas une. Ouais. J'adore le thé, j'aime le thé. Et. Je suis allée dans une boutique où, déjà de voir un salon de thé. Il fait salon de thé et ensuite il fait boutique pour voir ce qu'il y avait comme thé. Et dans ma grande surprise, il y avait des thés soldés. Donc, j'étais très contente. Donc voilà, j'ai fait le solde de thé. Donc j'ai pris un thé noir parfumé de pomme d'amour de Daman, voilà, qui est 25 sachets cristal. Le thé, je ne sais plus exactement les prix, que voilà, il y avait les prix affichés. Après j'ai aimé dans mon calendrier que je vous avais présenté du thé de Daman. J'ai pris la tisane jardin d'hiver, que j'ai adoré. Voilà, je me suis pris un mousseline. Et ensuite, je me suis pris des boîtes Kusmuti. C'était, je crois ça, c'était 6€ les boîtes.
Et voilà, j'ai pris le. Déjà, bon, pour essayer, bon, j'en connaissais, hein, déjà j'avais essayé un gaufret là, avec que des sachets. Donc j'ai pris le thé vert à la fraise, voilà, en petite boîte, qui était à vers 3 euros, moins de 3 euros je pense, je sais plus exactement. Voilà, j'ai pris celui-là, j'ai pris le thé vert à la menthe. C'était des petites boîtes comme ça, c'est super. Le Prince Vladimir. Et le thé du matin. Comme ça, je pourrais en prendre le matin. Voilà. Et oui, et ça aussi, c'était à 3 euros. J'ai voulu tester Love Organisme. Que j'ai pris le thé du matin, thé noir de Chine biologique. Voilà, le jaune. Une boîte. Donc voilà, j'ai fait des affaires pour l'instant. Et la boutique, si vous êtes de Montpellier, elle s'appelle Si le thé m'était compté. Voilà, donc si vous voulez aller faire un tour, voilà, vous trouverez plein de choses soldées. Je mange. Voilà ce qui était soldé. Je suis allée à Kiko. Mais bon, j'ai rien pris sur ce qui était soldé. Il n'y avait rien qui me plaisait. Donc j'ai pris la palette. Color Fever pour les yeux verts, la 101, la 101 qui est là, c'est pas marqué, je crois que c'était la Burgundy, vous regardez dedans, non c'est pas marqué, bon voilà, c'est celle-là, elle est trop belle, voilà, pour les yeux verts, comme j'ai les yeux verts. Voilà, j'ai pris que ça à Kiko. Après, je me suis pris, bon, bah, ça c'est pas soldé, mais ma poche à douille, elle a explosé à Noël pour faire la cuisine. Donc voilà, je me suis pris une poche à douille avec. Parce que je pense que ma poche à douille c'était une. Que j'avais eu avec un livre et elle n'était pas assez résistante. Donc voilà. Si ça vous intéresse, mettez-moi en commentaire si ça vous plaît que je vous parle de mes livres de cuisine. Et j'aimerais aussi faire des recettes de cuisine parce que j'adore cuisiner. Donc voilà. Après, dites-moi vos avis. Voilà. Je le ferai volontiers. Donc je suis allée dans un magasin qui s'appelle YPE à Montpellier. En fait là il y a une offre, c'est pour 50 euros d'achat, vous payez 25 euros. Donc voilà, vous avez moins 25%, ouais, moins 50%. Donc il y a des palettes sleek là-bas et bon il en restait qu'une, je sais plus laquelle c'était, mais voilà, donc j'y retournerai parce que c'est tout le mois, donc voilà, si vous voulez faire des achats, donc j'ai pris un double signe de Conade, un tampon, parce que mon tampon il n'est pas Conade et j'ai galéré pour Noël, donc ça n'a pas marché, mais la fille m'a dit que le tampon, il fallait le travailler. Donc il était à 7 euros. Voilà. Donc j'essayerai, je travaillerai. J'espère que j'arriverai à faire mon motif. J'ai pris une plaque Conade. Voilà. Et des autocollants pour les ongles. Pour faire. Ouais, la fringe. Voilà. On a pas 2 euros. Voilà, et après je suis allée dans une épicerie, bon ça c'est pas soldé mais bon, c'est une épicerie fine que j'adore, sur Montpellier, Pinto, donc j'ai pris du persil parce que j'en avais plus, et des herbes de Provence, et je me suis pris le thé Earl Grey de Damane, voilà, en 100 grammes pour les matins. Et dernier magasin que j'ai fait, en plus c'est le dernier, je suis allée à Forum, parce
Parce que souvent, je chatte sur Internet, sur Mademoiselle Bio, si vous connaissez. Voilà. Et je savais pas. Je savais qu'il y avait une boutique Florin sur Montpellier, mais je savais pas où exactement. Donc, comme j'ai presque fini mon eau florale à Laurent à fleur d'oranger, voilà, je voulais acheter une eau florale de Florin. Donc voilà, j'ai pris la camomille bio. Donc, je vous en ferai une revue si ça vous dit. Quand vous aurez testé. Et j'ai pris une huile végétale biologique au sésame. Voilà. Parce que là, en ce moment, je mets, pour ma peau très sèche, je mets de l'huile d'amande douce tous les soirs pour m'hydratant. Donc voilà. Je voulais cette huile. Au début, l'huile d'amande douce. Et elle m'a dit, la femme, la vendeuse, que bah, l'huile de sésame, c'est bien aussi pour les peaux très sèches. Et on a regardé. Et effectivement, c'est marqué, elle est conseillée pour les peaux matures, très sèches ou fragilisées. Voilà. Donc voilà, vous en ferez aussi une revue, ça vous dit. Et voilà, c'est tout pour mes achats de solde. Voilà. Donc, moi souvent, ben oui, j'attends les soldes pour acheter des vêtements. J'ai aussi fait une commande sur le site Shoppers de mode que vous connaissez, qui est une youtubeuse, sur les Yankee Candle, les tartelettes. Donc voilà, j'attends la commande et une sur le site d'Etam que j'ai fait 5 articles pareil. Parce que je suis allée à Etam et il y avait un monde fou et je trouvais pas ce que je voulais. Pour essayer, fallait faire la queue, mais ouais, c'était trop long. Donc j'ai regardé sur le site et voilà, j'ai trouvé ce que je voulais. Et aussi, je reviens, voilà, me revoilà. Donc aussi, sur le site Spartoo, c'était des soldes. J'ai acheté des boots, des bottines. C'est Mooney Moon, voilà, qui voilà, j'achète souvent pour les soldes une paire de chaussures. Et comme mes chaussures des bottines étaient cassées, ben voilà, ça m'a permis d'acheter ça. Voilà, c'est tout pour mes achats. Et voilà, il n'y en aura pas d'autres spécialement, plutôt peut-être pour les habits. Parce qu'il me faut des pantalons, voilà, plutôt des vêtements pour renouveler un peu mes habits. Parce qu'il y a des habits que, comme les pulls, pas celui-là, mais comme des pulls que de l'âge de 16 ans que je mets toujours. Et comme j'ai aussi maigri, j'ai des choses qui sont trop grandes pour moi maintenant. Donc voilà, je vous dis, passez une bonne soirée. Et à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao, salut.